Plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet Consolidation de la paix financé par les États-Unis d'Amérique. Ce nouveau projet sera exécuté dans 46 communes des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Menaka et Kidal. Il couvre la période 2018-2023, nous dit Batraori. C'est un grand pas qui est désormais franchi pour la consolidation de la paix dans les régions du centre et du nord. Le nouveau projet Consolidation de la paix est lancé pour la période 2018-2023. Son impact sera déterminant car il impliquera activement tous les acteurs du développement local afin de mettre en œuvre les activités communautaires pouvant contribuer à la stabilisation. Le projet contribuera au renforcement des capacités d'un nombre important d'acteurs qui voudraient ancrer la culture de la paix et la cohésion sociale dans un réel vivre ensemble, conformément à l'esprit de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. En cohérence avec les priorités nationales définies par le président de la République, il exprime toute la disponibilité des autorités des États-Unis d'Amérique à soutenir le gouvernement du Mali dans sa quête de paix et de stabilité. Ce programme est financé à hauteur de 25 millions de dollars, soit plus de 12 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence pour le développement international. Je voudrais inviter toute la jeunesse du Mali, aussi bien que les gens, les jeunes gens, que les jeunes filles et le voisin de la sous-région à s'approprier ce patrimoine commun. Que la paix à devenir des ambassadeurs de la paix pour qu'ensemble nous construisons un monde de tolérance et de dialogue. Je conclue en réitérant l'engagement du peuple des États-Unis d'Amérique à ouvrir aux côtés de peuples, des communautés maliennes. Notre volonté a des chances de succès parce qu'elle est étayée par nos valeurs morales et culturelles qui ont toujours permis à nos communautés de mettre fin à des conflits inutiles et fratricides. Notons que le projet cible 46 communes des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Menaka et Kidal. Sa mise en œuvre est assurée par Creative Association en collaboration avec l'Association malienne pour la survie au Sahel et l'Agence de coopération et de recherche pour le développement.